tête galaxie. Au secours. À l'aide. Ah, c'est mon Jarvan, ça, j'ai reconnu ça. Il était bien nerf quand même, hein, mais bon. C'est quand même mon Jarvan, quoi. Je l'ai pas eu. Épée. Ouais, go épée. Alors. Ta-ta-ta. Je sais pas les tous ces clous. Depuis qu'il y a plus le ladder, je regarde même plus mes LP en vrai. Depuis que le ladder compte plus. Dommage qu'on ait pas. Mais on a pas eu de chance sur la veine quand même. Hein. Je suis pas assez greedy pour aller top 1. Je suis quand même descendu à 30 HP la game d'avant pour essayer de faire top 1. Mais je pouvais pas avoir toute la team. Mais en vrai, mais. Vous vous rendez compte que vous me proposez le shrew d'une Irelia, les gars. Vous voulez vraiment que je shrew d'une Irelia? Quand même, s'il vous plaît. Un peu de sérieux quoi. Un peu de sérieux quand même. Est-ce que je peux jouer Yi? Est-ce qu'il était nerf au final? J'imagine que oui. C'était combien du coup? Ça m'étonnerait qu'il ait pas été nerf. Alors. J'ai envie de jouer Yi, mais il faut des arcs quoi. Shrew de Vayne Irelia, mais tu es un pitre aux Alcheurs. Tu es un pitre. Tu es un pitre. Eh, le nerf est passé, ouais. Alors. Ok. Je me tâte là, ouais. Moi je suis ok avec le fait d'aller jouer Maître Yi là. Je vais retester de toute façon. T'as acheté le Zig du coup. Est-ce qu'on commit? Le problème c'est que j'ai pas d'arc quoi. Alors. Bonne question. Est-ce que le nerf de Yi 1 est passé ou pas? Parce que apparemment c'était pas sûr apparemment. Alors Yi 1. 775-70. Ouais, je crois que le nerf est passé, ouais. Ouais, c'est mérité le nerf de Yi 1, moi je trouve ça un très bon nerf. J'ai pas acheté Exaya, mais en vrai c'est compliqué là de jouer Yi avec le sauf que j'ai, non. C'est vraiment du forcing là pour le coup. Ah non, Yi il était à 75, il est à 70 maintenant, Yi 1 était nerf. 100%. J'ai envie de jouer Yi, mais on a pas un stuff ultra adéquat. Mais il y a souvent beaucoup d'erreurs dans le patch note en vrai. Il y a souvent beaucoup d'erreurs qui se glissent dans les patch notes. J'ai pas de ceinture pour jouer Jarvan de toute façon là. Le problème c'est qu'il faut au moins 2 arcs minimum, voire 3. Sans Jarvan, c'est pas possible. Hein. Peut-être. On tombe avec joueur PC si on lance solo sur une game portable. Ouais, tu peux. C'est cross-platform. C'est cross-platform, tout à fait. J'ai pas un stuff pour jouer lui non plus, quoi. On va faire ça, je pense, pour l'instant. Il y a l'Yasuo aussi à acheter. Est-ce que je vends le coq du coup? Je me tâte. Faut que je chope un arc au carreau. C'est vrai que peut-être que le level up est intéressant pour pouvoir choper des Yi, mais. Là, on a envie de perdre les fights là. Quand même. Mais je pense que je perds contre le Kongbo, c'est bien, c'est une bonne défaite ça. Bon, je le prends, vas-y, Nick. Je le prends, vas-y. Ouais, vas-y, je vais tenter, vas-y. Je vais tenter mon coup là. Je vais jouer mon Vatu là. Dans cette game. De toute façon, il faut grid pour faire des top 1, on l'a dit. Donc bon. Quoi qu'il arrive. Gridon pour faire des top 1 du coup. On pré-push du coup. Yep. Pour l'instant, on reste comme As.
On peut faire ça, whatever. Salut le sang de tes morts, ça va? Le sang de tes morts, vous allez manger. Non, on est ok en vrai là. J'ai pas acheté Xayah en début de partie, mais. Soit on va faire du splash Blade Master dans cette game, c'est sûr là. Là, ce Zed, il est destiné à être un Blade Master. Tu es un Blade Master, Zed. Tu sais ça? Tu es un sorcier, Zed. Ça passe pas su hier soir. Ah non, non, c'est bon. Le top 1, il est walidé par la street, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Y a pas de spat. Si j'ai pas l'arc, on va peut-être juste jouer rebelle normal, hein. Ok, j'ai l'arc. Why not? Why not, why not? Aussi Walidé que c'est sur votre top 7. Mais non, mais non. On est bien là. Salut Toshia, ça va? Toshia! Yasuo. Ça dégage. Mais l'arc. Je perds 100, voilà. Ça j'ai mes 10 gold. Très bien. En vrai, ça peut se mettre bien ou mal quoi. Ça va être comment dire? On sait pas encore. Ça peut très mal se passer, ça peut très bien se passer là. Je dirais que ça va se jouer sur les deux prochains rounds PvE quoi. Mais bon, là on va vraiment faire un vrai open, on va vraiment pas un vrai open fort, mais on va vraiment s'en battre les couilles de nos PV et espérer faire un gros comeback quoi, je dirais dans cette game. Globalement. C'est à peu près le plan de jeu. Après, pour jouer ça, c'est vraiment la bonne map quoi. Le secteur commercial. J'aurais pu en dire là-haut, il y a la place de Malphite, c'est vrai. Pour gagner un bonus rebelle de plus. Bon, c'est l'histoire de un fight, mais bon. C'était pas con. J'ai 4 persos à 3 gold et 0 maître Yi, c'est dur ça. Respectez-moi, Riot, quoi. Ouais, Beetle, ouais. Xayah brise épée, c'est fort en vrai. Ah oui, très fort. Très méta. Très très méta, Xayah brise épée. Pas chez moi, Teach Punk, pas chez moi. On a pris un peu cher hein, quand même là. Ça va se jouer sur les items là. Sorcier Prod a pris du bon step up avec ce patch. Pourquoi? Comment ça du bon step up hein? À quel niveau? Nice. Je te troll, Beblox. Allez, spatule Wark. Ah non, c'est pas. Pourquoi les pires. Ah putain, j'ai les pires items. Ah, c'est la merde là. Là, c'est vraiment la merde là. Notre forcing il va pas payer je crois les gars là.
On peut bimo ou pas là? Oh, c'est chaud. Il faut assumer tes merdes, Tolkien. Au pire, on fait top 8 vite fait. Il faut assumer tes merdes, Tolk, moi je pense. Alors. La Fiora. Jardine Zaya. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, elle reviendra bien assez tôt. Vous savez ce qu'on dit, une de perdue. Bite dans le cul. Pardon. Ah bah je pense Milo, absolument tu peux, tu peux. Chaîne, personne dit ça, c'est vrai. C'est la misère là quand même. C'est la misère là quand même. On trouve Riven. Oh, y'a un mec qui a concede déjà. Mais y'a Solo Gaysang qui a concede la game. Très bien. Ça fait. Ça nous met bien déjà, ça nous met bien. Cette journée risque d'être longue. Mais grave pas en vrai. Moi j'ai dit qu'il faut faire un top 1 toutes les 2 heures. Si on fait un top 1 toutes les 2 heures, on est bien. Genre là, si à 13h on a pas fait de top 1. Et si à 13h30 on n'a pas fait de top 1, c'est chaud en vrai. Mais ça va là. Pour l'instant on a fait un top 1, on est bien pour l'instant. Ce sera pas top 8, c'est vrai. Mais là de toute façon je full grid pour essayer de gratter un top 1 de toute façon. Je m'en fous de faire des mauvais scores vu que le ladder va reset soon pour le 7-4. De toute façon j'ai jamais fini une saison en chal de toute façon je crois. Je confine toujours sur le PBE. Nice. C'est ça plus que 6 FF et c'est le top 1 les gars. Le chaos et l'état de exactement. De la ta. En vrai j'ai bien touché mes maîtriers. J'ai vraiment bien touché au niveau de mes rolls. Après voilà, ça va plus être les items qui vont poser problème. Mais là je vais être first pick 100% donc si je peux notre RF si ça va hein. Il manque la Riven quoi pour pouvoir rentrer le level 7 pour pouvoir rentrer les 6 et. Ah il y a moyen, moi il y a moyen, franchement je le sens pas trop mal là moi. Je le sens pas mal, enfin, c'est pas fair mais. Il y a moyen de moyenner je pense dans cette game, à mon avis. Imo il y a moyen. In my opinion. Sauf pour l'instant j'ai pas encore eu d'arc au PVE, tous mes arcs viennent de. Enfin mon seul arc vient du carreau donc. Là on en chope un au carreau plus un au loup, on fait Runan RFC, on est bon. Non là, en vrai, statistiquement il y a moyen. Avec le Metroid 2 qui va un peu aider là. Ah bah vous savez ce que j'adorerais là? Un petit carreau défensif. Alors là. Ah ouais ce serait bien là. Un petit carreau avec des ceintures, des armures, des négatrons là. Ça ça me régalerait ça. Le petit carreau défensif là. Franchement j'adorerais là. Je donnerais tout l'or de France pour un carreau défensif là. Avec plein d'armures là. Tout va bien, il y a un arc. Dommage, on se serait régalé pourtant. Spatule aurait été bien aussi. J'aurais hésité s'il y avait eu spatule. J'aurais pris spatule, je pense en vrai. Parce que spatule, c'est quand même plus rare qu'un arc au final, mais bon. Ah, y'a moyen, y'a moyen. Ça y est, tant que t'es bien supporté l'OL. Ah, oui, bien sûr. Au moins. Le reste du ce sera bah, pour le 7-4. Donc quand le 7-4 sortira en septembre du coup. Nice. Je prends pas le fizz hein. Nice aussi. Et attendez, y'a moyen de moyenner là non? J'étais 4 mètres avec un RFC. Non, parce que là ça rigole, ça rigole là. Ça rigole en vrai mais. Il y a complètement moyen de moyenner, moi je vous le dis là. Il y a méga moyen de moyenner du cul là. Non, jamais Nabs.
Alors voyons voir. Là j'ai Chrononaut qui va bien carrier et là on va pouvoir rentrer very very soon le terrible Sea-Blade Master. Putain si je chope un arc, oh, imaginez j'ai un arc et une spatule, ce serait incroyable non. Par contre le fight s'est mis super mal, c'est terrible quoi. Mais il a pas des Sea-Blade Master donc il galère un peu en plus lui. Il a quand même tué pas mal de gens en fin de fight. C'est bien, ça sauve des PV. Et j'ai une économie dégueulasse mais j'ai des PV corrects on va dire. En soi. Nice. Nice. Non il y a moyen de ouf de gagner là en vrai. Là on passe 7 après le machin là. Là j'y crois de ouf dans cette game là. J'y crois de ouf. Ah ah follow. C'est auto-win. Bah je dis pas que c'est auto-win mais bon, je le sens bien là quand même. Hein. Faut qu'on chope un arc. Et bon si on a une spat et un arc, on peut danser la bamba, mais bon. Donc lui il cherche pas les maîtres Yi, tout va bien, il cherche les Xayah, on va pas se battre, hein. Je vais lui laisser les Xayah s'il me laisse les maîtres Yi. Hein. C'est l'entente cordiale je dirais avec lui. D'ailleurs il a pas sa Xayah 3, c'est chaud. Ça commence à être presque les... Ouais il a Oulu, il a pas sa Xayah 3, c'est tendu en vrai. Il est dans la merde lui. Hein. Tant mieux parce qu'il finira par nous voler les maîtres Yi s'il le peut ce bâtard. T'as déjà joué Riven, on a pas testé Riven depuis le up là. Là on teste maître Yi avec son petit nerf. Bonjour Tank, désolé de mon retard. Arizona, bon ça va, je te pardonne, mais c'est assez inacceptable quand même. Hein. Alors. C'est siffleur en nez. Allez, un arc, une spatule, pitié. Une spatule, c'est une spatule ça. Oh, fait ch... Oh, sa mère, putain. Une Jinx et un Gnar. Non, mais tuez-moi, pitié, quoi. Au secours, en fait. Nice. Ah, j'ai pas de chance, quand même. Hein. Moi, je suis désolé. J'arrive et ça veut se tuer. J'en connais, ça va supporter le PSG. Jamais. Plutôt me pendre par les couilles. Je vais faire mes 5 top 1. Parce que j'ai pas du tout envie de me pendre par les couilles en vrai. Là, le problème c'est que ouais, non, c'est chaud niveau item. Hein. C'est à dire qu'il faut qu'on chope un arc au prochain carreau pour faire un Runan. Ça c'est vraiment Kiva Piano Vassano cette game. Hein. And Kiva Sano Valentano. Là il va me démonter lui, il est trop fort. Après j'ai un Z2 maintenant mais bon ouais non ça le fait pas. Lui il est vraiment trop fort quoi. Oh là là, c'est dur la vie quand même. Faut que les maîtres viennent tout seuls dans cette game. C'est plutôt le cas pour l'instant mais bon. Alors. Je découvre. Moi je suis pas un spécialiste, mais est-ce que quelqu'un peut expliquer à Milo comment on s'abonne avec Twitch Prime? S'il vous plaît. C'est pour la France. Pas pour moi, c'est pour la France. Ce serait bien, franchement. Expliquez-lui, c'est pas compliqué en plus. Hein. Non, mais j'ai vraiment eu les... franchement, si au moins j'avais eu dans la box gold une spat, j'étais pas mal là, mais... J'ai eu ça a fait des gold, remarque, j'avais une mauvaise économie, mais bon. Bon, on avait gagné les fights quand même. Hein. Après, il y a une vaille full stuff, d'ailleurs, on en parle de ça ou pas? Passenger... Il était en win streak, d'ailleurs, ça, alors. Ah, intéressant. Donc il reste comme ça pour l'instant. Il
Les mechas sont un peu chiants pour nous. Il a le mecha level 5. En fait, ça dépend. Si Z se fait Victor en 2-2, c'est bon en vrai. Bon, Victor a quand même pu ulti. Il a pas de Morello, donc ça le fait, non? La Janna est un peu chiante quand même. Hein. Ouh, la Janna fait chier là. Ça va le faire, mais la Janna, elle a fait un bon ulti là. Et là, il faut qu'on commence à toucher les maîtrises. Sinon, on va commencer... ça va commencer à être la merde là. Merci James 2. Merci mec. Ah, il y a un maîtrise. Je vais jamais avoir le Urgot avec un arc. Si? Ah, si, c'est bon. Nice. Bon bah j'ai mon stuff de maîtrier quasiment au complet. J'ai mes 3 arcs quand même au 3 carreaux quand même. Et ça fait plaisir ça quand même. C'était improbable. Ça c'est cool. Merci beaucoup Arizona pour les 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup Arizona. Arizona. Merci beaucoup. Je crois qu'il va falloir all-in après les corbins, mais bon. Merci Arizona. C'est la cagnotte pour soutenir la France. En plus, c'est vrai que c'est gratuit avec Twitch Prime en plus. Hein. C'est moins cher que payant, les gars. C'est pour faire la baguette, soit spell crit, soit rabadon. Et si on a ni l'un ni l'autre, c'est la merde. Au pire, on fera Ginzu au pire, mais bon. Là, on va faire spell crit ou rabadon pour plus de dégâts sur le maître Yi. Allez, tap tap, yes. Large, large. Non, maître Yi QSC, ça se fait plus en fait. On part du principe que RFC est déjà un thème défensif en soi, si tu veux. Bon, on est one of Yasuo 3. C'est clairement pas la priorité, mais bon. C'est clairement pas la priorité. Alors. On a une chenille sur Yasuo. Pas spécialement, non. Pas spécialement un item qu'on a envie de faire. Pas bien, c'est le Victor, il va me défoncer le Victor. Ah, Maîtrise fait peut-être le Victor en 2-2 là quand même, non? Pour la France. Bon, il y avait le Morello du Victor, donc le Maîtrise a pas pu régénérer, c'est chien. Pourquoi ils ont nerf ce tank comme ça? En fait, ils l'ont up sur tous les tanks et ils l'ont nerf sur le mecha. Parce que le mecha était fort, le mecha était trop fort. C'est vrai que Riven elle tank bien maintenant, elle était up Riven en termes de défense. Aussi. Nice. Bon. C'est gratuit, on va dire. Mais globalement, le titan a été up, mais ça a été nerf sur le mecha. Parce que le mecha il bénéficie souvent des 50 stacks, du coup il avait plein de dégâts en plus. Maintenant il aura plus que 25 stacks, donc il aura moins de dégâts. Par contre, un autre tank il pourrait avoir le bonus de défense de titan. En gros. Level 3 gratuit. Ah bah c'est le principe sur cette map, c'est sûr. Ok, j'ai spell crit. Et j'ai une deuxième rédemption. Non, je fais un deuxième Zeki, c'est encore mieux. Ouais, c'est pas mal en vrai. Bon, les items sont carrément décents. Le problème, c'est qu'il va bientôt falloir all-in pour mettre Yi quoi. Nice. Parce que la prochaine défaite, on all-in. Le problème, c'est que si on all-in maintenant, j'ai vraiment zéro chance de toucher. Genre là, si je all-in maintenant, vraiment aucun monde où... où j'arrive à choper Maître Yi quoi. Enfin 5 Maître Yi, je peux, mais bon, ce serait vraiment de la chatte quoi. Il va bientôt être l'heure de setup le Ameno, je crois. Il est Xayah 3 lui au final. Ta-da-da.
Ah, Maitreuil fait mal, hein. Oh, Zobby le Maitreuil. Zobby, Zobby. Tant qu'on gagne, on chill. Salut Insigno, ça va? Quel tank est intéressant avec maintenant alors? Oh bah tu peux le mettre. J'ai pas testé, alors peut-être c'est pas bien, mais. Ça doit être sympa sur pourquoi pas Nico. Je sais pas, un Jarvan, pourquoi pas, parce qu'il y a le bonus d'armure et d'essence magique. Enfin, sur une frontlane quoi, un Xin Zhao, pourquoi pas éventuellement. Il y a un Maitreuil ici. Que le diable l'emporte. Que le diable l'emporte. Cet homme est la peste. Que le diable l'emporte. Ok, on va setup le Ameno parce que là je pense qu'on en aura besoin là. Setup du Ameno. On gagnera pas sans le terrible Maitreuil 3, c'est sûr. Ok, la Soraka. Ah, la Soraka a heal. Ah, c'est chaud du coup. Après, le Victor a pas de Morello donc ça, ça va. Du coup, Maitreuil se remet full vie à chaque fois. Quand il n'y a pas de Morello red buff, le Maitreuil fait le taf. Ameno, Ameno, Ameno. Dorime. Ah, il y a 3, moi je le sens pas trop, moi perso. Mais... Ah putain, Kendrick il est fort en vrai. Et il y a surtout un red buff qui va bien défoncer le Maître Yi là. Maître Yi. Après le Maître Yi est toujours full vie pour l'instant. Maître Yi a pas été touché par le red buff. Je les découpe hein. Il y a déjà un chaîne 3. Ouais c'est vrai ça. C'est vrai qu'il y a déjà un chaîne 3. Il y a chaîne 3 lui c'est ça hein. Putain mais il a 2 Maître Yi ce bâtard là. Allo. Le goût, le goût, le goût. J'ai mis un Shojin. Bon, go Titan, on va tester. Hein. Et merci beaucoup, OZQMCC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mec. Merci pour l'abonnement, 3 mois d'abonnement, 87 subs dans le stream, non 8. Rédemption j'en ai déjà une, ça me fait chier d'en faire 2. Je suis déjà trop sensible au red buff et tout là. Après il y en a beaucoup des chaînes hein, Nick. Go sur Yasuo sinon, en vrai. Ça donne quoi ce fight là? Normalement le chaîne va être assez costaud. Là où le sien ne devrait pas être si fort que ça, parce que moi j'ai RFC qui tape dans son chaîne en fait, donc je m'en branle. Ouais putain c'est chaud ouais. Il est strong et ouf lui hein. Faut le mettre I3 pour le tomber lui. Attends c'est bon il a mettre I2, putain j'ai pas vu. Chier. Bon il y a encore un fight à tenir. Ça fait quoi? Ça fait 9 Maitreuil dehors. Bon, il en reste 9 encore de Maitreuil. Hein. Le patch a un impact sur la méta. Ouah, j'ai pas encore pu assez tester pour répondre à cette question. On verra. Mais oui, je pense quand même. Bon, chill encore un tour, on est d'accord là. J'ai pas envie de perdre beaucoup de PV, mais. On chill ici. Oui, je pense que le patch va avoir un petit impact sur la méta quand même, je pense. Il y en a 18 des 3 costs dans le pool. En tout. Il n'y a pas de Morello sous son Victor, par contre, il peut pas se faire en maître Yi parce que. Ah, terrible.
Parce que du coup le Victor qui était sur le maître symétrique, il a déjà full item quoi. Par contre il fait trop mal le... Ouf, il fait mal le Victor. Ah non c'est mort là, il fait trop mal là le Victor. Bon il faut trouver les upgrades hein. Là c'est le fight qui pique ça, hein. C'est le fight on a pas envie de perdre autant d'HP mais bon tant pis. Hein. Tant pis ça fait mal ça. Ok, pire item, très bien. Alors, très bien. Combien y a de cost? 21 ou 24, je sais plus. 21 ou 24, une connerie comme ça. 22, 21 ou 24, je sais plus. 22, ouais, c'est ça. Cool, Manico, c'est cool là, ouais. Théoriquement, là on est censé tout toucher, mais bon, le problème c'est que je suis sans du pas en PV quoi. J'aurais peut-être dû all-in avant le fight pour pas prendre moins. Là, j'ai pris moins 20 gratos là, c'était un peu con peut-être. On verra. C'est un bon booster ça. Ça c'est un booster de grande qualité ça mesdames messieurs. Il a Shroud le maître, c'est toujours chiant de se faire Shroud le maître parce qu'il met du temps à déclencher son ulti. Bon la maître 3 est censé être au rendez-vous des gamers la maître 3 là non. Ça va il est au rendez-vous des gamers. Ok nice. Bon, toujours pas la spatule Bloodmaster pour l'autre bâtard, mais bon. Est-ce qu'on peut faire le top 1 là? Oh, putain, j'ai trop envie de faire un top 1 sur cette game, pitié quoi. Un petit top 1 là, ça serait trop bien. Oh là là. Vous imaginez le petit top 1 ou pas là? Comme c'est la régalade. Yasuo 5k dégâts quand même. Ouais, quand même, quand même. Comme même. Là, faut entrer infiltrateur du coup là. Voilà. Très bien. Et on est strong là. On est vraiment strong et nouf, je trouve là dans la game. Strong et nouf. Et nouf. Ok, la grid paye. Bah j'espère, on n'est pas encore top 1 là. Lui il est vénère du cul lui aussi. Hein. Alors lui c'est un free win. Non, ça je reconnais, ce matchup là c'est une free win, je reconnais là. Ça, je m'y connais dans ce match-up, c'est free win ça. Je suis un des plus grands spécialistes français de ce match-up. Nice. Avec une Spat Blademaster, c'est win, mais sans la Spat Blademaster, ça peut réserver des surprises cette game. Quel suspense! Je roll là. Ah, c'est le fight où on peut tout perdre là. Faut un bon ulti de chaîne là. Allez, chaîne ulti s'il te plaît. Ok, chaîne à ulti. Ok, chaîne à full ulti. Et la redemption bim. Magnifique. Maître Yi qui est absolument en roue libre totale et radicale. Total ou radical. Le deuxième top 1 peut-être. T'as faut-il aller se mettre prototype, non? En vrai, j'ai dit d'aller se mettre prototype, en vrai. Je pense que je bats les deux et que s'il fait 8 prototypes, il me bat, je pense. Même si je vais bien prendre la Swissport pour mon truc, mais bon. T'es archi méchant.
C'est chaud là en vrai déjà. C'est super chaud là en vrai. Mais il est mort. Bon tant pis pour les chaînes hein. Ah le duel. Allez pour le top 1. Putain si je rate le top 1 ici je m'embêterai jamais je crois les gars. Pardon, pour Patrick. Il est pas mort, putain. C'est vraiment la tension du cul cette game là. T'avais donné moi le fils 2 putain. Putain. Ça va, c'est chaud en vrai là. Merci beaucoup Milo pour le sub. Ouais, c'est... Oh là, ça va être tendu là. Oh, c'est pas gagné, bordel. Le cœur gelé qui est malheureusement sur notre maître là. Maître qui prend pas beaucoup. Le racade qui va faire mal. Ah là là, non, ça va peut-être passer. Et oui, et tant. Le deuxième top 1. Ah, le deuxième top 1. Le deuxième top 1 du Marathon.